La croissance économique en Namibie devrait chuter en 2016. L'annonce a été faite par le Fonds monétaire international qui prévoit un taux de croissance de 2,5% contre 5,3% en 2015. Un chiffre qui s'éloigne également des 4,3% prévus par la Banque centrale namibienne en début d'année. Principale cause de ce ralentissement, les efforts de consolidation budgétaire déployés par les autorités ainsi que le ralentissement de l'activité dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. À ces facteurs, on peut également ajouter la faiblesse des prix mondiaux des matières premières, l'importante sécheresse causée par le phénomène climatique El Niño, la mauvaise santé de l'économie sud-africaine et du rand auquel est arrimé le dollar namibien. Selon l'OFMI, le taux de croissance devrait remonter dès 2017 en Namibie. L'institution financière annonce une prévision de 5%, grâce notamment à l'exploitation de nouvelles mines. L'inflation, quant à elle, devrait être inférieure à 10% dans ce pays d'Afrique australe riche en uranium et premier producteur mondial de diamants des fonds marins.